Caritative, voilà, parce qu'ils se culpabilisent, alors qu'au contraire, la société et la municipalité, pour nous, les associations sont là pour les aider et pas pour les juger qui que ce soit. On serait bien prétentieux de vouloir juger qui que ce soit, parce qu'on sait que malheureusement, dans le cours d'une vie, eh bien, des malheurs peuvent arriver à tout le monde, et quelles que soient les personnes, ça peut être des maladies, ça peut être une perte de travail, ça peut être autour de soi des personnes qui sont malades et on doit se dévouer pour maintenir la cohésion de la famille, de la famille, etc. Donc je crois que ça, c'est vraiment très important. Donc je souhaite que l'on puisse continuer à communiquer et puis cet engagement aussi qui est fait vers les enfants, hein, au travers l'été du Luna Park. Hein, je remercie aussi David Péchon et son équipe qui ont permis d'avoir des tours de manège gratuits pour les enfants, des personnes qui bénéficient de Resto du Cœur. Les cadeaux qui sont faits par tous les commerçants, on en a gagné de prix cette année. D'ailleurs, encore félicitations à tous les bénévoles parce qu'il a fallu trier, emballer, réparer parfois. Ça a été un certain boulot. Et puis, arriver à distribuer aussi parce que, évidemment, il y avait, je ne sais pas combien d'années, mais c'est quelqu'un de 50 ou 60 jeunes lors de la distribution, en tout cas c'était très sympa. Chacun peut avoir également fêté Noël et participer un peu dans la bonne humeur et remercier toutes ces personnes qui agissaient tous les jours. Donc voilà, je voulais vous remercier et puis quand même je ne veux pas oublier aujourd'hui un événement un peu particulier, c'est que nous avons une amie, si je vous demandais de nous rejoindre. Regardez, on peut l'applaudir. C'est la liste qui est venue spécialement aujourd'hui pour les garçons. Je vous dis, merci. D'être avec nous, les venus de Narbonne, c'est ça? De Narbonne ce matin, spécialement avec sa maman. Avec sa maman, voilà, donc merci à la maman et également de l'avoir accompagnée. C'est très sympa et je crois qu'on peut être fier de toute cette organisation, de la mobilisation de chacun. On le voit, regardez quand même, messieurs de la presse et des journalistes, regardez un petit peu ce qu'on récupère comme ça un samedi matin, mais au-delà de ce qu'on récupère, c'est aussi l'ambiance que l'on retrouve avec nous tous. Donc bravo à tous les bénévoles, bravo à Patrice Bétoni, pardon, à tous les bénévoles des Restos du Cœur, et tous ceux qui ont donné aujourd'hui et qui participent avec nous. Voilà, merci et très bonne année 2019. On va y arriver. I'm a sick.